Bien, je vois que les gens commencent à se connecter, donc on va prendre 2 minutes, le temps que tout le monde se joigne à nous, et puis on pourra commencer cette Bien, je sixième vois que les gens édition commencent à se connecter, de donc on va Startup Tech prendre 2 minutes, Series. À tout de le temps que suite. tout le monde. Bien, on va laisser le temps aux gens de se connecter, mais on va quand même démarrer. Donc, bienvenue à tous pour cette nouvelle session d'un Startup Tech Series où Lioum, on va parler avec une startup qui est membre de la French Tech. Startup, c'est Sinoia. Et on va parler d'outils de collaboration, on va parler de scalabilité, on va parler de solutions cloud qui permettent d'intégrer des solutions externes, puisque là, on parle d'une solution assez particulière, celle de Sinoia. C'est une solution qui intègre beaucoup de fonctionnalités différentes, dont la promesse est de vous simplifier la vie en entreprise. Donc, une seule plateforme de collaboration. Vous n'avez plus besoin de switcher d'un outil à un autre. Vous n'avez plus besoin de perdre ce temps et de perdre ce focus dans votre travail. Normalement, vous devrez être capable de collaborer au sein de l'entreprise avec un seul outil. Et c'est ce que promet Sinoia avec son outil. Alors ça vient bien sûr avec beaucoup de défis technologiques derrière. Puisqu'il s'agit de créer la solution en elle-même, il s'agit aussi de faire toutes les intégrations avec les outils externes de manière à ce qu'elle offre un maximum de fonctionnalités et un maximum de plus-value aux entreprises clientes. Alors, cette session, c'est la sixième session d'une série, la Startup Tech Series. Et on a déjà parlé de plusieurs startups tunisiennes qui ont des solutions plus ou moins similaires ou différentes. On a par exemple Reads, qui est une application mobile qui permet d'offrir des résumés en arabe ou des podcasts en arabe. On a Save Your Wardrobe, qui permet d'optimiser votre garde-robe et de consommer plus écologique. SickMake, qui généralise et démocratise toute la partie impression 3D. ProServi, qui offre de l'office management digitalisé en Tunisie, donc pour les entreprises qui veulent tout gérer de leur bureau. Escoin, c'était la dernière session, celle de la semaine dernière, où on a parlé de blockchain et d'impact à travers la blockchain. Donc aujourd'hui, il s'agit d'une plateforme collaborative, il s'agit d'une intégration de différents services au sein d'une même solution et dans le cloud, en mode SaaS, et c'est ce qu'on va découvrir avec Ayoub et Scandal aujourd'hui. Donc merci d'avoir accepté notre invitation. J'ai hâte de voir ce que Sinoia propose, aussi bien du point de vue de la valeur business que du point de vue de la stack technique et de l'infra qui est derrière. Je suis sûr que tous les entrepreneurs autour vont pouvoir apprendre justement de cette expérience-là. Et un point aussi qui est important avec Sinoia, c'est qu'elle fait partie de la French Tech.
Donc, pour les startups qui s'intéressent justement aussi à développer une application en mode SaaS à l'international, l'histoire de Sinoia peut être aussi intéressante. Je vous donne la main. Bonjour Wassim, bonjour tout le monde. Donc, je me présente, moi c'est Skander Sid, je suis le CTO de Sinoia et l'un des cofondateurs. Et donc avec moi il y a Ayoub Reba. Bonjour tout le monde, Ayoub Rebha, CEO de Sinoia, bien évidemment cofondateur aussi de Sinoia. Bonjour. Merci. Donc, je vais représenter vite fait Sinoia. Donc, l'histoire de Sinoia, en fait, elle a commencé. On s'est connus les trois cofondateurs avec Nasreddine Rihi, notre CEO, il y a de cela 4 ans. Donc, on a travaillé ensemble durant 2 ans dans d'autres entreprises. Et après, donc, tous les trois, nous avons ouvert notre propre projet qui est Sinoia. Donc, la vision de Sinoia, c'est de transformer les équipes de busy to productive. Donc, ce qu'on veut faire, c'est faire en sorte qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de teams qui travaillent surtout dans l'aspect technologique, dans les assurances, dans le collaboratif, qui utilisent toute une multitude d'outils et d'onglets lorsqu'ils sont en train de travailler. Et donc, cela coûte énormément de temps et donc de productivité. Et pour résoudre cette problématique, nous avons décidé de créer une plateforme de collaboration digitale, All in One, qui est un workspace digital et qui vise à offrir les fonctionnalités basiques de communication et de production, ainsi que la possibilité de synchroniser avec des outils qui existent déjà. Donc, Sinoia, au jour d'aujourd'hui, avec la version qui est actuellement disponible, elle offre 5 fonctionnalités différentes, à savoir le partage de fichiers, la vidéoconférence, le messaging en chat et en vidéo, l'accès à l'email, tout ce qui est task manager, ainsi que l'accès au calendrier. Donc, aujourd'hui, Sinoia est une plateforme SaaS qui est déjà déployée sur le web. Nous travaillons avec certaines clientèles. Nous essayons donc de se propager petit à petit sur l'échelle internationale, bien évidemment en commençant par la Tunisie. L'application est déjà fonctionnelle. Nous sommes déjà à la première version. Donc, on est passé par le stade MVP. Il y a de cela une année. On a fait quelques tests. Aujourd'hui, nous sommes sur les dernières marches de la commercialisation à échelle globale. Et on fait petit à petit des avancées par rapport aux fonctionnalités ainsi qu'aux intégrations qu'on ajoute à cette interface. Alors ça, là, juste pour qu'on clarifie déjà les fonctionnalités qui existent, le Sinoia, sans aucune intégration, qu'est-ce qu'elle propose de lui? Est-ce qu'elle a déjà une fonction interne par calendrier, une par chat, etc. Ah Et oui. ensuite, quels sont les outils qui sont déjà intégrés faire? Ah oui. Donc, en fait, Sinoia se veut être en même temps complémentaire et alternatif. Aujourd'hui, quand vous accédez au service de Sinoia, sans pouvoir rien synchroniser, vous avez déjà l'accès à un service de chat similaire à un Slack, à la vidéoconférence, à tout ce qui est project management et task management, à un calendrier ainsi qu'un espace de stockage pour vos fichiers. Et tout cela est synchronisé entre toute l'équipe qui utilise Sinoia. Ça, c'est un accès par défaut sans aucune synchronisation avec un élément externe. Ok, et ça c'est genre avec un abonnement gratuit ou alors il faut que ce soit payant pour intégrer, pour avoir ces fonctionnalités-là? Donc, par défaut, c'est fourni dans le gratuit. Il y a certaines limites, bien sûr. Par exemple, si on prend le cas de la vidéoconférence, donc la vidéoconférence sur le plan de gratuité, donc vous avez le droit à une seule room. Et cette room-là, elle a une limite donc de 15 utilisateurs ainsi que de 40 minutes maximum pour la conférence. Oui, c'est pas mal déjà. Ok, très bien. Et donc ensuite, si j'ai besoin, maintenant, si j'utilise Google Workplace, Outlook, Slack, etc., ce sont des intégrations qui sont disponibles. Je peux les intégrer en plus sous l'outil Sinoia. Voilà, donc actuellement, les intégrations, on incorpore tout ce qui est la suite Google, le Slack, l'Outlook, ainsi que les services de Drive comme Dropbox ou Google Drive. Donc automatiquement, vous avez accès à un espace intégration. Vous allez choisir l'intégration que vous voulez rajouter. Vous allez synchroniser votre compte directement à l'intérieur de Sinoia. Et donc, par exemple, sur le cas de Google Calendar, vous n'allez pas avoir un nouvel onglet
Google Calendar qui va s'ajouter, mais en fait, c'est les informations de Google Calendar qui vont venir se greffer sur le calendrier de Synoya. OK, donc ça devient une seule vue avec toutes les vues agrégées. Voilà. C'est Très le bien, principe de génial. centralisation. Très bien, génial. OK. Et donc, pour rejoindre Synoya, donc je laisse Ayoub en parler un petit peu. À propos de notre user flow, on a gardé tout simple. L'utilisateur, il va faire un sign-up pour commencer. Ensuite, il va recevoir un mail pour la confirmation de sa boîte mail. Il va créer l'organisation. C'est lui le owner de l'organisation. Ensuite, il va inviter les utilisateurs de l'organisation. Ensuite, il a ses scénarios dans ses propres mains. Il peut faire l'intégration qu'il veut. Il peut utiliser notre built-in feature comme Kimakaner qui scanne l'intégration de juste il built-in feature de Synoya, les chat, visio, tout ce qui est storage, les calendriers, ainsi de suite. Avec tout cela, on a un système de notification en real-time. Donc, chaque échange chez Sirfios, sinon, il y a une notification. Bien évidemment, quand tu trouves un dashboard, dashboard interne, on a aussi tout ce qui est avancement des tasks. Lyon, par exemple, un utilisateur chez Sirfios, il y a un projet, un Sirfios, le projet MT, multiple tasks. Donc, l'administrateur ou l'organisateur de ce projet peut voir l'avancement du projet. Dès que le clôture de la ticket chauffe le dashboard interne à des formats avancement, je dis notification des users qui assignent le projet de calcul. Je chauffe aux aides à barre de statistiques comme le projet, je n'ai pas tout ce qui est événement l'accrap. Donc, il y a un événement qui m'a coulé à 15h30. Tu seras notifié en real time sur la plateforme avec les membres, moi je vous dis l'événement, bien sûr. Voilà, Super, donc l'user flow en termes. les user flow, en fait, c'est pour la création d'un compte entreprise et ensuite c'est le responsable de l'organisation par l'entreprise qui invite les utilisateurs. D'accord. Voilà. OK. Et le sign-up ne demande pas de carte de crédit. Tu peux utiliser Synoya sans carte de crédit avec les fonctionnalités de base. Ah oui, bien sûr. En fait, OK. tu peux donc le premier accès à Synoya est toujours de passer par le plan de gratuité. Donc, une fois que c'est bon, vous êtes à l'intérieur de l'application, suivant le nombre de users, parce que par exemple, sur la partie free, elle ne permet l'accès qu'à 20 utilisateurs. OK. On va dire le free, C'est déjà pas mal. c'est free à jamais. Mais c'est plus destiné aux petites entreprises qui vont démarrer, qui cherchent, ou aux moyennes entreprises qui démarrent, qui n'ont pas encore les ressources nécessaires pour s'attaquer à des outils. Et donc, une fois que vous en êtes à l'intérieur de l'application et qu'on veut basculer donc sur un plan payant, c'est là où il faudra choisir une méthode de paiement qui n'est pas forcément la carte de crédit vu qu'on est sur du B2B. Et donc, on peut de là switcher vers d'autres plans. OK, très bien, c'est très clair. Donc, Synoya aujourd'hui, c'est six fonctionnalités qui sont déjà intégrées. C'est sept intégrations qui sont désormais actives. C'est neuf compagnies qui sont déjà en train d'utiliser activement Synoya et qui sont des compagnies payantes. Et c'est trois partenaires aujourd'hui qui sont en train de nous aider sur le plan de la distribution et ainsi de devenir des partenaires de distribution sur le long terme. Super. Et les entreprises actives, elles sont toutes en Tunisie ou est-ce qu'on en a aussi dans le monde? Donc, deux d'entre elles sont en Tunisie. Bon, ils sont en Tunisie, mais en fait, c'est leurs filiales qui sont en Tunisie. OK, Donc, d'accord. en fait, les trois sociétés sont des sociétés à l'international. Et donc, deux d'entre elles, on a initié le contact ici en Tunisie. Et la troisième, donc, on a initié le contact en France. Super. Donc, en fait, Sinoya, c'est déjà une boîte à l'international. Oui. Ça a commencé une histoire qui a commencé depuis avril dernier. Donc, on a commencé ce processus d'aller vers l'internationalisation. Donc, on a commencé par la France, qui est le pays qui est, on va dire, qui est le plus facile d'accès
au niveau du marché par rapport à la Tunisie. On a commencé certaines démarches pour s'implémenter là-bas, vu que déjà, parmi les 9 compagnies qui sont en train déjà d'utiliser Sinoia, 5 d'entre elles sont des compagnies Déjà en françaises. France. Ouais. Mais du coup, vous êtes passé par une accélération FIFA France, ou une incubation, ou là, comment ça se passe? Donc actuellement, oui, on est en train de suivre une accélération auprès de D'accord. l'accélérateur M qui est au niveau de Marseille. Super, ok. Donc tout d'abord, on est passé par le programme Business France. Et donc de là, nous avons été mis en contact avec un organisme qui se trouve en France qui s'appelle Province Promotion. Et de là, donc, on a commencé à se créer un réseau donc le sud de la France. On a rejoint l'accélérateur M et à travers cette accélération-là, on a pu bénéficier aujourd'hui du statut de labellisé French Tech. Super. Écoutez, je dis juste à ceux qui nous suivent, si ça intéresse quelqu'un qu'on creuse un peu plus ce sujet, n'hésitez pas. Naif des startups en Tunisie aimerait justement accéder au marché français. Donc l'expérience d'Arsinoe ici peut être extrêmement intéressante. Mais ok, je laisse continuer, mais je pense qu'on a beaucoup de sujets à creuser. Donc, par rapport au modèle de revenu, comme on l'a dit tout à l'heure, donc on commence directement avec le free, qui est jusqu'à 20 utilisateurs, qui offre tout ce qui est chat et messaging en illimité. Donc, il y a toutes les fonctionnalités de base, mais qui restent avec certaines restrictions. Et donc, plus on monte dans les paliers, et plus donc on a plus de fonctionnalités, plus de liberté à rajouter sur l'application. Donc, en ce qui concerne l'international, généralement, c'est le pack, donc le middle pack, le pack business qui est le plus commun. Et donc, c'est un pack qui coûte vers les 8 $ par mois utilisateur. Ok, très bien. Donc, sur la dernière année, donc on a commencé à avoir une évolution sur notre chiffre d'utilisateurs. La courbe qui est donc foncée, ce sont les utilisateurs payants, et donc la courbe qui est claire, ce sont les utilisateurs qui sont en free. Donc la plupart des utilisateurs, comme on l'a dit tout à l'heure, commencent généralement avec le free, et à fur et à mesure du temps, donc s'ils ont besoin de plus d'intégration ou plus d'éléments donc dans l'application, ils commencent à migrer vers des forfaits payants. Mais c'est Intéressant, on voit un beau décollage. Allez, vous arrivez à confirmer la tendance à dire en janvier, même si bon, on est encore en début janvier. oui. En fait, ce qui a provoqué surtout le décollage, c'est que jusqu'à septembre, on était fixe sur un nombre d'utilisateurs précis. On était en train de peaufiner donc avec eux les derniers détails de l'application. Et c'est à partir de début septembre qu'on a commencé vraiment à sortir, à aller vers les événements. On est parti, donc on a commencé des actions sur le plan international et ça a commencé à exploser à partir de là. Et c'est surtout en novembre où on a eu la possibilité de participer à beaucoup d'événements, à présenter Cine à beaucoup de monde, que ça a commencé à vraiment bien décoller. Excellent. Malin Thomas, le vent inter, comme c'est en train de se passer à travers les événements, plus qu'à travers les distributeurs. Non. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que Sinoia n'est pas encore officiellement lancé. D'accord. Donc C'est bien alors. le lancement officiel de Sinoia est prévu pour le 15 février. Ok, Donc bon, c'est très là bien. où Bon. on aura les accès, on donnera les accès donc directement à partir du site et les utilisateurs pourront créer eux-mêmes leur application et donc profiter du service. Jusqu'à aujourd'hui, en fait, c'est des utilisateurs qu'on a acceptés. Donc, on a présenté la société, c'est des personnes qui ont montré un intérêt. Et donc, on voulait récolter le plus de feedback et en même temps, pour des raisons techniques, donc voir ce que la solution peut donner en augmentant le nombre d'utilisateurs. C'est super. Donc, vous avez déjà 200 utilisateurs payants et vous avez une belle croissance alors que c'est même pas encore lancé. Donc, du coup, c'est des utilisateurs bêta que vous acceptez au cas par cas. Pas vraiment du cas par cas, donc c'est on a eu des contacts et donc chaque utilisateur, chaque entreprise qui nous a montré de l'intérêt en voulant rejoindre Sinoia, on leur a offert des comptes. Ok. Donc c'est des Très bien. comptes que nous c'est nous-mêmes qui avons créé ces comptes et qui les avons Ouvert les donc de clients. Ok. voilà. Ok, donc à partir de 15 février, c'est là le lancement public officiel. Et donc normalement, on devrait avoir. Donc, il y aura la page sign-in officiellement Ouais. pour tout le monde et tout le monde peut créer un compte à partir du site. Super, ok. Bah écoute, c'est annoncé officiellement ici. Donc toutes les personnes qui seraient intéressées pour tester Sinoia sur le lancement public, c'est le 15 février. C'est parti.
Donc, je laisse Ayoub un petit peu parler de l'architecture. Donc, côté architecture, l'idée de l'année interne qui peut être simple. So, Khdina, le web server interne, il y a AliExpress, l'application server, il y a Node. Qui m'en a fait un escompte Node Express, il y a la chose basique, il y a un escompte, mais je sais pas le développement TH. Il y a assez de ressources sur l'Internet. Maintenant, je suis un héros côté des packages, moi je dis everywhere, t'as l'NPM, développement de JavaScript, Nesco, la plupart, t'as la bête, t'as le fille. Benesbal, l'infrastructure, c'est l'Amazon Web Service ou l'EKS, Kubernetes, t'as l'Amazon, et benesbal le back-end, benesbal le front-end, benesbal le Vue.js. Effectivement, et le back-end intercom call est très populaire à ta manière du point de vue du recrutement. Je pense que vous n'avez pas de problème à recruter sur cette stack technique-là. Yes. Le front-end intercom, C'était. par contre, il est un peu plus rare en Tunisie. Ouais. En fait, le choix de Vue.js, c'était il y a 2 ans. J'ai fait la recherche avec la team. Je n'ai accès au framework. Je m'en front-end. Lightweighted, surtout à l'application interne, تمشي وتكبر. Donc, le projet, بيمشي ويكبر أكثر. أقل فريمورك يك ريسورس في الفرونت اند اللي هو لقيناه فيو جي اس هذاك علاش اخترناه وسي لا كوتي سامبليسيتي نتاع ديفلوبمون نتاعو اون باج تنجم تحط فيها ال HTML نتاعك مش كيما رياكت مثلا رياكت لازم في الباج نتاعك تخدم اون فول جافا سكريبت بار كونتر فيو جي اس اسهل ياسر في الديفلوبمون يوزر فريندلي اكثر وافيك سا اليوم كنشوف في الجيت هاب عنده أكثر ستارز من رياكت دونك اون تروف اون كوميونيتي اسي غراند كو رياكت ياسر اكتيف يا دي ايشانج افيك دي ديفلوبور و لي كيستيون كلهم سون كوريكت معناتها انت اليوم تو بوز ان كيستيون في فورم باش تلقى ديريكتومون لا ريبونس نتاعك مش باش تحير. Et il y a une grande communauté internationale. Fitoun, c'est pas le cas. Je pense qu'on est encore, il y a Fi Angular, il y a React, et je pense qu'on a encore très peu de personnes qui maîtrisent Vue.js. Donc, Thomas, quand vous recrutez des gens, est-ce qu'ils doivent maîtriser le Vue.js? Hein, comme moi, là, est-ce que vous les formez sur Vue.js? Ah, donc, ce n'est pas forcément qu'ils maîtrisent Vue.js. On a 2 ou 3 profils d'Idachlomacinoïa. En fait, ils travaillent avec React. La documentation. Le production direct. Une semaine pour se documenter ou bien de la terre de savoir quoi bien à l'heure. Par contre, qui n'est le framework ou à d'autres, savoir Et donc, ce que tu dis, c'est que si tu maîtrises déjà un framework JavaScript, ça peut aller très vite pour maîtriser Vue.js. Oui. yes. OK. D'ailleurs, pour rebondir sur ce sujet, Wassim, en fait, parmi les objectifs stratégiques qu'on avait mis en place au jour d'aujourd'hui en tant que startup, c'est de faire en sorte que on voulait devenir ce qu'on appelle un incubateur de talents. Donc, à recruter donc des personnes, les former, pas qu'ils partagent avec nous leur vision. Au jour d'aujourd'hui, maintenant, on a d'excellents éléments qui nous ont, qui nous, qui sont devenus vraiment des piliers. Des employés ou là, des collaborateurs c'est devenu des piliers de Sinoia. Au début, ils ne connaissaient pas Vue.js, mais ils ont appris Vue.js et aujourd'hui, ils sont en train d'encadrer les nouveaux, de pousser qui m'a Narmin Slimane, qui m'a Ashraf Zorgati, Malek Zorgati, Zainab. C'est des personnes qui ont vraiment aujourd'hui contribué à l'avancée de Sinoia. Super, ok. Et donc, Liu, Mathan, Thomas, vous êtes en train de lancer, j'imagine, tous les parties PFE et vous allez continuer à recruter. Vous êtes combien dans l'équipe et vous pensez recruter encore combien cette année, Mathan? Bon, cette année, donc déjà, ce qui est prévu, c'est de rajouter 3 personnes, déjà maintenant pour le début de l'année.
On a déjà tracé la pipeline ainsi que la roadmap pour 2022, surtout avec le lancement sur l'international. Donc, grosso modo, sur l'aspect technique, on va encore avoir besoin de 4 profils cette année, plus certains autres recrutements qui vont se faire sur d'autres secteurs, notamment la partie marketing, la partie sales et ainsi que la partie managériale. Ok, Wad, très bien. Sur la partie infrastructure, donc Amazon KevKev, c'est une technologie qui est très utilisée chez les startups tunisiennes. Comment vous gérez le facturation en terre? Est-ce que vous avez des crédits? Est-ce que vous payez par vous-même? Pourquoi vous avez choisi Amazon déjà et comment vous gérez la facturation en terre? En fait, pour la partie Amazon, on a beaucoup de crédits. On a on a gagné quelques crédits sur Amazon. On a d'autres crédits Amazon. Donc, le cash burn pour Amazon. On a un crédit à peu près 2024. Génial. Donc, en fait, l'infra-terre, comme ne coûte rien jusqu'à 2024. OK. Yes. Et donc, c'est grâce à la participation dans des programmes d'incubation, dans des programmes d'accélération, pas seulement en Tunisie, mais aussi sur l'international. Au jour d'aujourd'hui, par exemple, les programmes qui m'ont YC Startup School, qui permettent aux startups, même des startups tunisiennes, de participer à des programmes d'incubation à partir de Tunisie. Et donc, participer à ces programmes-là, ça a ses avantages. Et notamment, par exemple, le fait d'avoir beaucoup de crédits, beaucoup de perks sur différents programmes. Alors, je pense, une info très utile. Mais ouais, ici, Startup School Day, tu connais d'autres startups tunisiennes qui ont participé à ça? Oui, donc, en fait, avant de participer à ça, elle nous a été suggérée par une autre startup tunisienne. On les mentionne. Allez, allons-y. Cite les sommes. Mais je crois que elle est plus là. Ils ont complètement changé de domaine. Donc, je ne sais pas si vous connaissez. Aujourd'hui, c'est devenu un coworking space, Felmanar. Je ne connais pas, mais en tout cas, je pense que c'est une information utile. Je pense que beaucoup de personnes cherchent les incubateurs et les accélérateurs Phytoon. Si Mais on a un bon écosystème. aussi, Wassim, tu peux regarder Factory 619, donc c'est le nom du coworking space. Donc, aujourd'hui, Ahnabina, qui est notre lot sur le programme YC, sur l'interface, quand tu mets Tunisie, il y a toute une liste de startups tunisiennes. Eh oui, Et je donc, c'est comprends les facile. stratènes. Ce que j'allais dire, c'est que en fait, ça peut être intéressant d'aller directement voir les alumni interhams et à partir de là, récupérer l'expérience des Tunisiens qui ont fait cette expérience. Un écosystème qui est très riche déjà, Phytoon, mais c'est vrai qu'on ne réfléchit pas forcément à aller regarder les programmes qui sont à l'international et qui sont ouverts à tout NCZ. Et YC, ça reste, je pense, un des meilleurs programmes qu'on peut trouver dehors. Donc j'invite tout le monde aussi à découvrir. Hein. Je regarde le site Inter, mais effectivement, ils ont toute la liste des alumni. Et surtout, si on veut voir ce que avoir d'autres entrepreneurs, avoir une autre vision des personnes qui sont dans la même situation mais qui ne sont pas vraiment dans notre écosystème à nous. Et donc, on a la possibilité d'aller voir ces personnes-là, de participer à des bootcamps, de leur expliquer voilà ce qu'on fait exactement, et donc de pouvoir récolter des feedbacks et peut-être même aller sur un autre chemin qu'on n'avait pas envisagé avant. Exactement. Thomas, du coup, vous êtes passé par ce programme. Qu'est-ce que vous en avez récupéré à part les On a pivoté. perks? Raconte-nous l'histoire, je pense que ça peut toujours être intéressant. Il y a 2 ans, lorsqu'on avait commencé le programme Sinoia, donc Sinoia, c'était pas du tout comme ça. Et donc, en fait, Sinoia, c'était deux applications différentes. Une application de chat et qui donc reprenait des intégrations sous format webhook, et une application à part de vidéoconférence. Et donc, lorsqu'on est passé par le programme de YC, on leur a expliqué, donc voilà concrètement ce qu'on veut faire. Et la première réaction, c'est qu'ils nous ont dit, mais d'accord, on comprend que vous voulez donc faire diminuer le nombre des outils, mais ça reste deux outils quand même.
Ok, Et donc vous donc, avez travaillé marrant pour essayer tout agréger dans une unique solution. Chacun. oui, c'est grâce à des feedbacks que voilà, Manta Sinoya, aujourd'hui, elle est devenue ce qu'elle est devenue, une solution qui englobe tout dans une seule page. Excellent, c'est une très belle anecdote. Et je pense que ça va donner aussi l'envie à plein de start-upeurs de découvrir ce programme-là. Je pense qu'on n'en parle pas assez. Et ça, l'expérience inter, comme à mon avis, elle peut en inspirer beaucoup. OK, donc on regarde maintenant le détail de l'infrastructure inter. Ok, parfait. Ben, pour commencer, on a l'outil, le fameux outil Cloudflare, où l'outil il est gratuit. Donc, ma famille, je cours à Ali, mais je serai dit, tout ce qui est CDN, kif kif dit, le Cloudflare ou l'Amazon CloudFront. Donc, tous les requêtes sont cachées à le Cloudflare. Mais فورسي وبرشا على السيرفر بتاعنا كل مرة روكيت تعطيني الحاجة جديدة. دونك كل حاجة تكاشا على الكلاود فلير تعدى الكلاود فرونت، بعديك نتعدى الاس 3 باكيت بتاعنا اللي هي فيها ستورج بتاع تو سكي فوا ايشانجي في الشات بتاعنا، تو سكي بارتاج دو فيشي، ستوكاج دو فيشي في الفايل مانجر بتاع سينويا. تو سي فيشي سون باسي بار ان سي دي ان. دونك مش à chaque fois نقعدو نعملو في روكيت جيت باش نجيبو الفايل نتاعنا. تربحنا برشا بيرفورمانس وتربحنا برشا في الكو نتاع الباكت نتاعنا، خاطر في الباكت اس 3 زاد الكو يطلع بارابور على لي روكيت جيت و بوت. فوالا نتعداو بعديك من الكلاود فلير نتعداو للود بالانسر نتاع الامازون اللي هو الاي ال بي، باش تصير ليزون ديريكت مع الكلاود فلير. À partir du load balancer interne, on a l'NGINX controller interne, le serveur web, on a l'application interne, on est hébergé. L'hébergement colossal est dans la région de l'Amazon. Dans le cas interne, on a Elasticcache for Redis. Redis fait chez Aouna. Aouna fait tout ce qui est caching de socket. À travers l'application chat interne, on utilise le socket I/O rapide à Redis pour le système de caching. Maintenant, un utilisateur se déconnecte au cours d'une discussion. Discussion a dit qu'un mec peut dire, peut stocker le cache interne. Serveur est à distance de l'utilisateur. L'autre, il est connecté. Dès qu'il se connecte, il y a une notification, il fait un message de son. Donc, tout ça est en real time. Je vais vous montrer ça. Ensuite, quand on a les instances internes, les rooms sont soumis à la ZOOS, on a le service de la front, on a le service de la back, les marteaux font auto-scaling. Dium, sinon, il y a un à peu près 700 utilisateurs qui installent l'application. D'ici 2022, après 2022, inchallah, les nombres d'utilisateurs bichiwali ou x10 ou la x15, donc les serveurs marchent bichitamblo. Dans le cas de autre auto-scaling. So, quand le serveur marche, il installe la ما عادش يستحمل برشا لي روكيت باش تطلع بود جديدة ولا زوز ولا ثلاثة، سا ديبون انت لوتيليزاسيون تاع اليوزرز نتاعنا. فوالا دونك باش تعدي اوسي لا بارتي الباز دوني نتاعنا اللي هي على امازون زاد ار دي اس، اون باز دوني ايبرجي شي امازون اسي بيرفورمانت. دونك اليوم سينو ما فماش مشكلة نتاع لاتونس ولا طون دو ريبونس طالع، تو سو باس فلويدمون. لي سيرفور نتاعنا قاعدين يخدموا مرتاحين على الاخر، قاعدين نعملوا في الميتريكس نتاعنا، نشوفوا لوتيليزاسيون نتاعنا ماهيش برشا، وباش تكون مرتاحه سورتو افيك لوتو سكيلينغ. عندنا تو سكي مونيتورينغ زاده قاعدين نستعملوا في الداتا دوغ. Quand il y a une erreur niveau serveur, j'ai une notification en temps réel, que ce soit par mail ou à la rapide, Blue Books, j'ai un chat interne.
Voilà, grosso modo, l'infrastructure de Sinoia. Aussi, nous avons Terraform. Donc, l'infra interne à l'école, Terraform. Nous migration, nous le compte Amazon, une petite modification. Malheureusement, dans notre outil, on a un template interne à Hadra, les ressources, les hashtags, que ce soit les ressources, et surtout instance interne, on augmente le cache interne, juste une ligne de code sur Terraform, on a le build interne. Voilà, grosso modo, l'architecture Super, interne. c'est très similaire des architectures les linéaires hein, par ailleurs, même si vous avez quelques spécificités. La question est un délai comme c'est par rapport au MVP, au fait. Comment est-ce que vous êtes arrivé à cette infrastructure-là? Est-ce que ça a été le design initial à votre version ou la petite projet plus simple? Non, ça c'est pas du tout le design initial. On a Alors, commencé petit à petit. raconte-nous justement, raconte-nous comment est-ce que ça s'est fait petit à petit. Rata, je pense que la partie MVP peut être très intéressante pour les start-upers qui se lancent. Je laisse Ayoub D'accord. بالنسبة للبارتي MVP نتاعنا ما كانتش الارشيتكتور نتاعها كجملة. On avait de crédit chez OVH, une bonne somme. Donc, بدينا على OVH l'architecture نتاعنا, لقينا فيها برشا مشاكل الحقيقة. Temps de réponse كان طالع شوية. Ma connaissance n'est pas le auto-scaling, mais que nous avons des microservices dans le back-end interne, donc tout ça est tout faire de place. Du coup, qui autre la 300 400 utilisateurs en même temps, serveur, il y a eu crash, il y a pas de temps de réponse. C'est à partir de là que nous avons mis à l'Amazon ou le Pinair ISR maintenant, faire dire la performance. Et c'est logique. Enfin, une question qui vient par rapport au crédit, hein, comme justement sur Amazon. Comme si jamais les crédits inter, comme vous faites, c'est quoi l'alternative inter quand même? Est-ce que c'est, y a un passage vers un autre cloud? Est-ce que vous pensez être prêt à ce moment-là pour payer les frais inter l'infrastructure? Comment vous envisagez les choses? Même si c'est encore loin, hein, comme Ramin, pas de Oui, donc cette partie-là, ça s'est fait une étude par rapport à l'user ou par rapport au coût de l'application. Donc, ahna, au jour d'aujourd'hui, par rapport au coût de l'application, d'ici, on a un cap de user à atteindre. Et une fois ce cap de user-là, user payant-là atteint, c'est l'application qui va s'autofinancer. Donc, ils seront capables, les gammes, les user seront capables de couvrir toutes les charges les serveurs. Okay. Donc finalement, je crois, le business model inter, comme vous espérez que d'ici 2024, justement, vous aurez assez d'utilisateurs pour financer l'infrastructure directement. Oui, mais normalement, si tout se passe bien, on atteindra ce cap d'utilisateurs d'ici 6 mois. OK, d'accord. Donc voilà, je pense que ça répond à la question, mais vous n'avez pas du tout, au fait, envisager de changer d'infrastructure, voilà, des infrastructures Ochrane, plutôt des clouds Ochrane qui apporteraient des fonctionnalités, les HashComplium. Si, Aujourd'hui, si, OK, si. est-ce qu'Amazon répond à tous les besoins ou là, vous avez d'autres clouds qui seraient plus intéressants? Pour l'instant, Amazon répond à tous les besoins, mais supposons dans le cas où on n'arrive pas donc à subvenir aux besoins de AWS. Donc, on a eu l'occasion de rencontrer certaines personnes, certains fournisseurs de cloud Barra, qui offrent des services similaires. Malheureusement, ils n'ont pas donc une portée aussi grande que celle de AWS, mais qui offrent aussi des services qui sont bien et qui sont beaucoup moins coûteux que celui d'AWS. Mais sur des architectures similaires à celle-ci, ils offrent notamment les services presque similaires à celles qu'offre AWS. Vous pouvez par exemple voir le cas de Scaleway. Ok, je ne connais pas. Donc Scaleway, c'est un fournisseur de cloud qui se trouve au niveau de c'est donc c'est un fournisseur de cloud qui est actif en France, au Netherlands et en Allemagne. Et donc tout récemment aussi commence à s'incorporer un tout petit peu vers la région de Nord-Afrique.
Ok, donc là, tu es maintenant quelqu'un qui se lancerait Loom. Est-ce que tu lui conseillerais de plutôt utiliser Scaleway s'il devait choisir entre Amazon et Scaleway? Bon, l'avantage aujourd'hui avec AWS, surtout pour ce qui est des startups, c'est que ils sont très startup friendly. Et donc, il suffit de passer par un programme AWS Activate ou de passer par un programme d'incubation ou un programme donc de participation pour des startups, de pouvoir bénéficier de crédits pour pouvoir donc utiliser AWS. Mais il faut avouer que ces crédits ne vont pas rester éternellement. Donc, en attendant, on peut utiliser les services d'AWS, de les améliorer, de bien mettre en place cette infrastructure pour que le jour où on ne puisse plus accéder à ces services-là, on a déjà trouvé une autre alternative et on a déjà la template qui puisse s'intégrer sur ces systèmes-là. Ça me paraît logique. Et on avait eu d'ailleurs fait la première session interne à Arkinar la RITS. Et RITS, du point de vue du langage de gestion des ressources terres, ils avaient notamment utilisé Rust pour diminuer le coût à AWS. C'est vrai que AWS, c'est, comme tu dis, très startup friendly. Donc, Phytonus notamment, et dans le monde aussi, il y a beaucoup, beaucoup de startups qui sont sur AWS. Même Bard, le Cold Yorslo, une fois que les crédits sont épuisés, ça leur coûte très cher, ils n'ont pas atteint la bonne scalabilité. Et du coup, ça devient une course contre la montre pour migrer. Rust, en tout cas de ce qu'on avait présenté chez Hill la dernière fois, Rust semble être une très bonne alternative pour diminuer les coûts de l'infrastructure parce que c'était beaucoup moins gourmand en ressources. Et c'est pour cette raison aussi que, de préférence, même si pour l'instant on bénéficie de crédits et tout, faut toujours essayer de regarder vers le futur. Et même si jusqu'à 2024 nous avons une certaine sécurité par rapport donc à cette infrastructure, cela n'empêche pas, nous sommes à l'écoute du marché, de voir ce qu'il y a d'autre, ce qui se fait d'autre sur le marché, si le jour où on n'a plus d'AWS, sur quoi on peut migrer avec des frais moins coûteux. C'est vrai que vous avez 2 ans devant vous, donc vous pouvez venir voir, enfin, voir venir plutôt en fonction des utilisateurs. Et je pense qu'il y a beaucoup d'alternatives, que ce soit pour une migration complète, dans 2 ans, ce sera peut-être le moment de faire de nouveaux choix technologiques, ou là pour passer sur des langages un peu différents qui sont beaucoup mieux optimisés du point de vue de la consommation de ressources. Mais vous avez 2 bonnes années, Rodem, comme donc ça va. Très bien, Yes. je vois. Effectivement, juste باش نزيد حاجة هنا Vas-y, vas-y. l'infrastructure نتاعنا ماهيش assez coûteuse معناتها كي نشوف le budget نتاعنا نستعملوا فيه ما بين 200 250 دولار في الشهر هذيا معناتها نتصور ماهيش برشا برشا. Et du point de vue de scalabilité interne, si tu atteins les chiffres des Poltalium tout à l'heure, donc x10, x15, on restera sur des coûts raisonnables. Yes. Ok, donc peut-être que ça ne sera pas un problème et que finalement, ce sera l'infrastructure qui continuera d'évoluer, Marc. Par contre, juste pour rebondir sur ça, voici, on a une tendance à faire, c'est de toujours mettre en question les normes Lofi. Donc déjà, de temps en temps, on se réunit une seule colle et on fait une mise en question. De voilà, est-ce qu'on peut améliorer? Est-ce que c'est la bonne démarche? Est-ce que c'est la bonne technologie? Ou est-ce qu'il y a des améliorations à faire? Ouais, d'ailleurs, c'est une très bonne démarche. Et d'ailleurs, je vous invite à voir les 2 sessions qu'on a vues Startup Tech Series qui ont une infrastructure proche de la vôtre. Yulani Aseritz, Thanes et Save Your Wardrobe. Les 2 sont sur des infrastructures AWS Acacia et qui ont fait des choix proches avec quelques modifications par-ci par-là. Colbert a bien sûr ses choix technologiques. Donc, je pense que dans l'état d'esprit, par le partage de l'expérience, les Nermo Ferraroni et fait Startup Tech Series, ça peut être intéressant de voir comment ils ont adressé le problème par scalabilité ou de ressources. Il y a peut-être quelques astuces à prendre en main. Je suis sûr qu'il devrait faire la même chose en regardant cette session. Naar Faouchehir et Tabarfina, il a probablement déjà vu 2, 3 trucs intéressants. N'hésite pas à Chahil si tu as des conseils à donner ou si tu vois des trucs intéressants. Très bien. Alors, c'est les avantages d'un Node.js. Je donnerai déjà le premier des avantages, c'est qu'il y a beaucoup de talents en Tunisie qui maîtrisent Node.js. Donc, du point de vue du recrutement, ça devrait bien fonctionner. Oui, effectivement, Lyon, Phytonus, pour le recrutement des talents qui maîtrisent Node.js. Je voulais remercier d'abord Nermin Sliman, Tazmafina, Léa Bdetman, c'est un bon talent. Il maîtrise bien Node.js. Ou Manhirouj, à côté des modules, Najmounalka, des modules Hadrin, qui m'ont les notifications, des modules de cryptage.
ainsi de suite. On est à l'IOM Node.js, mais il n'y a pas de temps pour développer une fonctionnalité. Notre lot, on a des recherches internes, on trouve un Asset Package, on a un Node.js, on a un Node.js, on a un Node.js, mais on a un Node.js from scratch, on a un Node.js dans 2-3 mois. الحاجة ذي عاونتنا على الآخر في الـ development بتاع الـ backend بتاعنا. Voilà. On peut passer pour le DevOps flow interne dans la partie code qui m'a l'air parce qu'on semble fait Git. Il semble Node Express View, bien sûr. On a la partie WebRTC, elle est responsable à tout ce qui est voix audio. On a la partie de base données, elle est MySQL ou Redis. Des parties code, fil build, on a Docker ou on a l'NPM. Partie test interne, unitaire, on a semble fait Mocha ou Chai. Aussi, on a le test de qualité de code, on a des Sonar Cloud. Il y a une analyse de RIP interne dès que Kamel j'ai une notification par mail ou des notifications par webhook, nous on retourne directement à chat de Sinaï. On a la Jenkins qui a tout ce qui est build ou par exemple, le deployment interne à l'Amazon IKS. Bien sûr, on a l'Amazon Web Service ou Terraform, Kubernetes aussi fait le déploiement. On a partie operate, il y a un ensemble de webhooks. Dès que il y a le déploiement, il y a une notification qui fait le chat interne ou il y a les emails internes. Pour la partie monitoring, ensemble aussi graphe, on a par défaut du mode le prompteuse. Aussi on a Datadog, il est assez performant. Ou on a Lens pour accéder le pods interne ou les services internes, chauffe les logs, bien faire ma page qui est sketchy. On a un autre lot deep qui est le code interne. Pour le planning, تعدينا بالليست شارب، تعدينا بالجوجل دوكس، حطينا الفيشي بتاعنا على جوجل درايف، وبعديك عملنا الميغراسيون توتال على سينويا، دونك طول البارتاج كان على سينويا. ولا ذي البايب لاين بتاع الديفوبس بتاعنا بالنسبة لسينويا. C'est très propre, très logique. Et ce qui est intéressant de voir d'une session à une autre, c'est de voir en fait que en général, les startups qui sont sur la stack JS et qui font ce genre d'intégration de DevOps utilisent plus ou moins les mêmes outils. Donc, c'est toujours marrant de partager l'expérience de chacun par rapport à ça. Et je reviens sur les deux sessions qui ont utilisé justement le format full stack, Eritz ou Save Your Wardrobe. J'invite les gens à les revoir parce qu'on est sur des choses très similaires aussi à ce niveau-là. Très bien. Je pense qu'on a fait à peu près le tour. On a eu pas mal de questions. Je ne sais pas s'il y a des questions de l'audience par rapport à l'infra, par rapport à l'outil. Pour ceux qui n'étaient pas avec nous, Sinoya, elle a une offre gratuite. Elle commence officiellement à partir du 15 février. Le 15 février. Donc, vous êtes tous invités à tester l'outil pour optimiser votre collaboration. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Vous êtes aussi ouvert au recrutement, donc vous cherchez des personnes qui ont des profils full stack, qui maîtrisent le framework JavaScript, même si ce n'est pas forcément Vue.js, mais Node.js, React, par exemple, c'est des profils qui vous intéressent. Et, yes. et donc, je pense que essentiellement pour les startups, les RAN qui sont d'une taille inférieure à 20 personnes, ça peut être extrêmement intéressant de tester la solution, que ce soit juste pour les fonctionnalités de Tarsinua pour optimiser la collaboration interne, ou là pour l'intégrer avec les outils G Suite qui m'appellent à Google, ou à Slack, etc. Là, personnellement, je serais intéressé de le tester avec nos équipes en mode bêta, qui m'a les startups, les Dachalturum déjà avant le lancement officiel, donc on pourra en parler. Mais s'il y a d'autres personnes qui veulent justement le tester en mode bêta hacker, n'hésitez pas, ou alors vous attendrez le 15 février. Avec plaisir, Wassim. Beta user, c'est toujours le bienvenu. Parfait. Bah, écoute, tu peux nous intégrer comme beta user.
Excellent. Mais écoute, je pense qu'on a fait un peu le tour. On a eu pas mal de questions au fur et à mesure, donc on en a parlé. Je ne sais pas si vous voulez dire encore quelque chose ou partager encore quelque chose avec l'audience interne. Pour ma part, juste Haja Barka, que je souhaite partager, c'est que, en fait, les 2 dernières années, les 2 années et demie, il y a eu des moments où c'était vraiment difficile. Et au final, après les efforts et après tout ça, finalement, on arrive petit à petit à s'en sortir. Et donc, au final, ce que je veux dire, c'est que si on a quelque chose et qu'on est vraiment passionné par cette chose et que on veut y arriver, faut pas abandonner. Écoute, c'est un très bon message et ça me permet de rebondir aussi dessus. Sinoya Alioum, est-ce qu'elle a déjà fait un round de seed fund ou elle a une levée ou elle a, comment vous continuez justement à faire votre développement et à pivoter et à intégrer le marché? Donc on a fait un premier round il y a 6 mois. On a eu certains fonds en charity based, et on a eu un premier round de levée en equity. Et actuellement, nous sommes sur le second round, donc nous sommes en train de finaliser une négociation pour le deuxième tour de table. Ok, donc c'est un teaser. Tu ne peux pas nous en dire plus. On va attendre l'annonce officielle, c'est ça? Oui, pour l'instant, on peut pas encore se prononcer dessus. Ben, excellent. Ben, écoute, bon courage. J'ai hâte de voir l'annonce officielle. Encore merci d'avoir été Marin Arounié. Je trouvais ça extrêmement intéressant de partager l'expérience interac, aussi bien du point de vue business à l'international que du point de vue infra. Waka, je pense qu'on va clôturer cette session. Pour ceux qui nous écoutent, je vous invite aussi à nous rejoindre à Gemrajaya. Donc, ça va être avec Majesta et Gemrajaya, avec une solution justement liée à l'intelligence artificielle. Et ça sera le mercredi à 17h, comme à chaque fois. Merci beaucoup, Voilà. Wassim. Merci Merci beaucoup, tout beaucoup. le monde. Au revoir.